ça nous prend peut-être deux semaines peut-être pour mettre ça en ligne. Vous irez voir sur le site, vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir revoir, tout ce que vous avez vu ce soir. Donc, je vais tout de suite enchaîner avec mon ami Philippe Soero de chez Autodesk, qui est product designer, chef de l'équipe de design du Flame et du Smoke et de l'Inferno, du Flint. Et j'en passe. et donc, Philippe, qui a énormément d'expérience avec le Flame depuis quoi, 15 ans maintenant? Oui, pratique, c'est ça, oui. Bon, alors, il y en a qui m'ont demandé pourquoi on présenterait le Flame pour ceux qui connaissaient le Flame, puis qu'est-ce que c'est le Flame pour ceux qui ne le savent pas. Mais Philippe va pouvoir vous dire qu'est-ce que c'est le Flame et à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et ça fait partie aussi des idées qu'on avait à Final Cut Montréal pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y avait dans les possibilités de montage finition haut de gamme. Alors, on est vraiment dans le très, très haut de gamme. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé sur des projets qui ont eu des effets qui sont faits dans un Flame, ou au moins, ça peut vous donner des idées. Et si jamais un jour, vous tombez sur un projet qui réussit à avoir le budget nécessaire pour travailler avec une plateforme comme ça, ben, au moins, vous allez avoir des idées, des possibilités. En tout cas, nous, les gars, quand on parlait du meeting, on se disait... Nous autres, quand on a commencé, on aurait aimé ça avoir une présentation comme ça. Puis c'était souvent réservé à des clubs un peu sélects. Fait qu'on est très, très contents d'être capables de vous faire cette présentation-là. Et sans plus tarder, Philippe Soero. Bien, en tout cas, ouais, bonsoir en tout cas tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être là. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on va dire, souvent il y a des communautés, on va dire, qui s'ignorent un petit peu. Il y a une raison évidente pour le Flame, c'est que c'est un outil qui est... très élitiste, d'abord parce qu'en termes de prix, déjà, il est pas très accessible. Juste pour vous donner une idée, ça va mettre les pendules un peu à l'heure. On parle quand même, pour un Flame, typiquement, de quelque chose qui tourne aux alentours de 250 000 $. Donc, on n'est pas vraiment dans la même gamme de prix que Final Cut, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a dans les produits, ce qu'on appelle système. Donc, vous évanouissez pas, hein. Il y a une raison, en fait, aussi pour laquelle il y a ces prix, en fait. Dans la gamme système, il y a d'autres produits que je vais juste évoquer par le nom. Mais disons que dans la gamme système, c'est-à-dire des systèmes clés en main, dont le Flame fait partie, en gros, la gamme de prix s'échelonne entre 60 000 $ et puis 250 000 $, on va dire, pour le Flame. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un Flame? Ben, comme je disais, c'est un système qui est clé en main. Qui est constitué d'un ordinateur, aujourd'hui c'est un ordinateur Linux, qui tourne sous Linux, qui vient avec tout ce qu'il faut pour faire de l'acquisition vidéo, de la sortie vidéo bien sûr, du monitoring broadcast, du monitoring audio, et puis un système de disque dur qui est normalement capable de jouer au moins, enfin, je vais parler en termes pseudo-technique, mais vous avez certainement entendu déjà cette terminologie. On est capable, en tout cas, de jouer du 2K 10 bits, du 10 bits sans trop de problèmes. Pour vous donner aussi une idée de là où le Flame est utilisé, c'est à 80% dans le domaine de la télévision et de la publicité. Et la raison pour laquelle le Flame aussi a fait ses lettres de noblesse dans le monde de la publicité, c'est parce que le système a été conçu, on va dire, pour offrir une certaine interactivité pendant une session créative, en supportant le regard d'un réalisateur derrière son dos, derrière le dos de l'opérateur. Donc pour les opérateurs Flame, c'est quelque chose qui peut être très stressant parfois, dans la mesure où parfois il faut faire des décisions créatives et rattraper des coups qui n'ont pas pu être faits au moment du tournage. Le Flame s'est fait une réputation, en fait, de boîte à outils un peu miracle, qui peut dépanner un peu tous les coups. Et le fait est que ça fait à peu près 15 ans que cette application existe et qu'aujourd'hui, en fait, c'est une application assez mastoc quand même, avec énormément de petits outils et une courbe d'apprentissage qui peut-être peut en effrayer plus d'un aujourd'hui, parce qu'il y a tout un héritage, on va dire, qui vient. Ça n'est pas une application neuve, c'est une application qui a beaucoup de bouteilles et ça se sent parfois quand on travaille avec. On ne va pas regarder le Smoke aujourd'hui, qui est plus un produit qui est axé sur l'éditorial, c'est-à-dire dont le workflow est principalement structuré autour d'une timeline.
Et on va plus parler du Flame, qui est ce qu'on appelle le flagship product, le produit phare de la gamme, et qui se distingue en fait par une boîte d'outils créatifs qui est la plus complète dans la gamme des produits qu'on a. Donc quand on démarre un Flame, en fait, on arrive dans une interface qui est un peu particulière et que peut-être les gens qui viennent du montage n'ont pas vraiment l'habitude de voir, ce qu'on appelle le desktop. Et le desktop est constitué en fait de bobines. Et vous voyez en fait qu'on a une analogie qui peut s'apparenter à celle du film. On peut travailler aussi bien avec des bobines verticales qu'horizontales. Il y a une guéguerre évidemment entre les gens qui préfèrent l'horizontal et le vertical, qui dure depuis 15 ans à peu près. Personnellement, je préfère travailler en vertical pour toutes sortes de raisons historiques. Et cet environnement que vous avez là, qu'on appelle le desktop, a la particularité d'être un environnement très libre. C'est typiquement quelque chose qui permet aux opérateurs de venir agencer les différents clips dont ils vont avoir besoin pour faire un travail, de les classer par bobine, de dire bon, « ben ça va être mes fonds verts, je peux donner un nom à un reel ». Je peux faire des opérations gestuelles. Je peux déplacer, je peux copier un clip. Je peux copier un clip d'une bobine à l'autre. Oups, excusez-moi, il a un... Voilà. Je peux copier un clip d'une bobine à l'autre. Je peux l'étendre. Je peux faire un cut gestuel. Je peux faire un splice gestuel. Excusez-moi, ça va être plein de mots anglais. Mais c'est vraiment l'habitude. Je connais pas nécessairement les termes français tellement j'ai l'habitude de les dire en anglais. J'ai la possibilité, évidemment, d'aller prendre un autre clip et puis, d'aller faire un insert, encore une fois, gestuel. Vous voyez, en fait, ici, il y a une espèce de relation extrêmement directe aux médias. Je peux déplacer les choses. Bref, un espace de travail, on va dire, qui permet très vite d'aller agencer les choses. Et c'est un outil qui est très, très précieux pour les opérateurs et qui, parfois, peut sembler un peu bizarre, on va dire, pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Dans le Flame, on travaille avec le desktop où on va rassembler les éléments dont on a besoin ponctuellement. Mais parallèlement à ça, on va travailler avec des librairies, ce que vous pouvez voir comme des bins en quelque sorte. Et donc, les librairies ont ceci de particulier, qu'elles ont un caractère permanent. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, ce que j'ai là est sauvé pour de bon sur le disque dur, alors que le desktop, lui, a un côté plus flottant. C'est vraiment comme mon brouillon dans lequel je vais assembler mes différents éléments. Et pendant des années, en fait, dans le Flame, il y a eu une optique qui consistait en fait à prendre des clips qui sont sur les desktops et les amener dans différents modules. Et en bas, ce que vous voyez ici, vous avez la liste des différents modules qui peuvent être disponibles pour le Flame. Donc, ils sont classés principalement par catégorie. Alors, la librairie, c'est pour tout ce qui est archivage, stockage, importation d'éléments, vidéo I/O aussi. Des commandes en fait basiques d'editing, de processing pour faire des commandes du type de la correction colorimétrique ou alors du filtrage basique. Et puis le menu effet qui était traditionnellement un menu des plus importants dans lequel je vais trouver à la fois une palette graphique, un outil de texte, de la stabilisation et puis un module qui s'appelle Action, dont je vais vous reparler plus en profondeur après, qui est vraiment le module phare du Flame, qui est l'environnement de compositing 3D, en fait, qui existe dans le Flame et qui a fait toute la réputation du Flame. Donc, aussi, une des raisons peut-être qui peut paraître, en termes de positionnement, dites-vous aussi que le Flame fait relativement peu de compromis par rapport à ce qu'il manipule. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le Flame est stocké de façon non compressée. Donc, quand on amène de la vidéo, par exemple, qu'elle soit HD, ou alors des éléments 2K, des scans qui viennent du film, etc., tout ce que vous avez, en fait, dans le Flame est toujours stocké de façon non compressée, en RGB. Il n'y a pas de stockage YUV, il n'y a pas, on va dire, de notion de codec directement à l'intérieur du Flame. Ce qui veut dire évidemment qu'il y a un stress pour le système quand il s'agit de gérer des images non compressées. Donc là, je vous montre des images qui viennent du film. Donc ça, c'est du 2K 10 bit log. Le système est prêt en fait à vous les jouer en fait en temps réel, y compris dans le contexte d'un montage si vous le souhaitiez. Donc en parlant de montage, le desktop en fait ici, dans le desktop, vous avez toute une série de clips.
mais chacun de ces clips, en fait, peut avoir une timeline qui lui est associée. Quand je rentre dans le player, en fait, là, c'est un clip NTSC. C'est un clip NTSC. Là, je ne veux pas l'afficher en logarithmique, mais plutôt en vidéo. Vous voyez, en fait, qu'ici, j'ai des onglets qui me permettent de regarder soit des options basiques du player, mais aussi de voir une timeline qui est ici. Et c'est une timeline qui me permet de voir aussi bien des montages très simples. Là, en l'occurrence, j'ai qu'un seul clip. Si je le voulais, je pourrais faire des opérations de trim directement ici depuis le player. Donc, trimmer un clip. Enfin, toutes sortes d'opérations basiques de montage. Et même si je le souhaitais, même aller faire un effet du type... voilà, je fais un petit DVE, on va dire, pour faire un petit resize. Donc, c'est une timeline, en fait, complète, accessible au travers du player. Et on peut la retrouver dans Flame à d'autres endroits. Pour vous donner aussi un exemple de timeline un peu plus complexe qui a fait l'objet d'une conformation. Donc ça, c'est un projet qui est venu d'un montage et qui a été assemblé, donc conformé à l'intérieur du Flame, parce que le Flame est utilisé comme une machine de conformation, tout comme le Smoke. Et on vient en fait finalement créer le produit définitif à partir des éléments qu'on a importés, soit à partir d'une EDL, soit à partir d'une XML qui peut venir d'un Final Cut, du reste, ou d'une AF qui vient d'un Avid. Et puis on va venir rechercher les éléments et puis recréer le produit définitif en non compressé à l'intérieur du Flame. Donc, comme je vous disais, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, historiquement, et ça c'est un héritage qui vient d'autres sociétés dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler, comme Cantel, qui avait inauguré le système de j'ai cette espèce de desktop et puis je peux amener des clips dans des modules. Et donc, pendant très longtemps, le concept pour travailler dans le Flame, c'était d'aller prendre des clips et puis de les amener dans un module. Donc là, par exemple, j'ai décidé d'aller travailler dans la palette graphique. Et puis, je suis en train de peindre avec un smear, OK. Quand je suis très content avec ce résultat très artistique, je peux sortir, et je reviens dans le desktop. Donc, pendant très longtemps, les opérateurs travaillaient de façon itérative. Donc maintenant, j'ai ce clip-là, je vais aller l'emmener pour faire une correction colorimétrique. Je peux prendre ce clip-là et je l'amène dans le Color Warper. Et puis là, je vais aller m'amuser à faire une correction colorimétrique. Là aussi, je suis très content. Je fais process, exit, je continue, ainsi de suite, de façon itérative. Et puis, petit à petit, avec l'avènement, on va dire, de produits comme Shake, par exemple, qui ont inauguré une façon de travailler qui est plus procédurale, de façon arborescente, ce même type de méthodologie aussi a fait sa place à l'intérieur du Flame. Et dans le Flame, ce module, on l'appelle Batch. Okay ? Quand on rentre dans Batch, en fait, on se retrouve dans un environnement où, à la place de rentrer dans des modules, je viens amener mes éléments dans cet environnement. Et vous voyez ici en bas, j'ai toutes sortes de petits nodules qui sont là et qui me permettent en fait de construire une arborescence de traitement. Donc, par exemple, là tantôt, on parlait de correction colorimétrique. Ici, j'ai un color correct. Hop, je viens le parenter à un clip qui est ici. Et dès que je double-clique dessus, j'ai l'interface, on va dire, du color correct. Et je peux regarder le résultat. Et puis là, je peux m'amuser à aller, commencer à travailler sur l'histogramme, booster les saturations. Il n'y a pas beaucoup de saturation dans ce clip. Donner une teinte, peu importe. Et puis, le résultat de cela n'a pas besoin d'être processé, n'a pas besoin d'être calculé. Je peux l'enchaîner, en fait, avec d'autres traitements. Donc, par exemple, ici, je vais prendre un module qui sert à faire de la distorsion. Et là, je peux aller... je vais aller rajouter une... ça pour ajouter une spline, et puis là, si ça m'amuse, je peux venir commencer à déformer cette image là donc là voilà, je commence à traîner les différents éléments comme je veux. Donc vous voyez en fait qu'il y a le mot d'ordre, en fait, toujours dans le Flame, a été de permettre une certaine interactivité, on va dire, dans le processus créatif, ce qui fait que, là, je vous montre un truc qui est peut-être très particulier pour vous, mais c'est ce qu'on appelle une schématique, en fait, où chaque spline, en fait, ici, est représentée par une de ces petites bouboules.
Et c'est une schématique qui représente des objets qu'on peut manipuler. On verra que ça, c'est un concept qui était emprunté en fait à la 3D et qui est une caractéristique de l'environnement de compositing sur lequel je reviendrai après. Donc ici, là, je peux faire toutes sortes d'opérations. Traîner mon image, faire ce que je veux. Donc évidemment, là, ce que je vous montre n'est pas forcément extrêmement utile, mais ça vous donne juste une idée, on va dire, du principe que j'enchaîne des traitements les uns derrière les autres. Et ensuite, voilà, je vais faire un glow, ça va être formidable. Voilà, c'est très beau. OK. Toujours selon le principe, en fait, après que je peux enchaîner comme ça, construire une arborescence à l'intérieur de batch sans nécessairement en fait avoir à faire des process intermédiaires. Donc cette façon de travailler, en fait, c'est vraiment généralisé maintenant et aujourd'hui, c'est vraiment un des environnements de travail principal majeur en fait à l'intérieur du Flame. C'est-à-dire que les gens sont un petit peu en train de délaisser l'optique d'aller faire des processus par itération. Et préfère en fait venir dans batch, dans la mesure où ça permet d'avoir une vue un plus synthétique, on va dire, sur le problème que l'on cherche à régler. Donc, vous voyez en fait là, je vais juste, quand on n'est pas content, on efface les nodes, c'est formidable. Ici, quand je suis dans cet environnement batch, je continue de conserver en fait, et ça c'est un trait qui est assez spécial en fait, hein. Je continue de conserver cette dualité qu'il y a entre un clip et le fait qu'il y ait une timeline. Donc si je double-clique sur un clip, je vois en fait qu'il y a une timeline qui est associée. Et en fait, c'est une timeline qui, directement dans l'environnement de compositing, me permet de gérer une notion comme un source et un record. Donc par exemple, ce clip que vous voyez là, je peux le transformer en un record clip. N'importe quel autre clip que je sélectionne à ce moment-là devient un source clip. Et je peux commencer à faire des opérations de montage. Je fais un append, par exemple, là. Et hop, et je suis en fait en train là de rajouter des clips directement à l'intérieur de l'environnement de compositing pour faire un montage. Et j'ai accès à toutes les opérations de montage communes. Donc je vois mes heads and tails, je vois tout ce que je voulais. Je peux me mettre à n'importe quelle transition, je peux créer un dissolve si je le veux. C'est donc vraiment un environnement de montage à l'intérieur même de l'outil de compositing. Ce qui fait que si je veux, je peux rentrer avec une timeline assez compliquée, multilayer, qui est le résultat d'une conformation. Et puis, à partir de ça, décider de travailler sur un plan plus particulier, ou alors faire quelque chose soit travailler en fait avec ce qu'on appelle des soft effects, c'est-à-dire des effets que je peux directement gérer à partir de ma timeline ici, comme ceux que je vous montrais tantôt, où là je fais un soft axis. Okay, donc c'est un effet directement accessible depuis la timeline, comme ceux que vous connaissez dans Final Cut, on va dire. Et ces effets, je peux venir les saisir depuis ma timeline, et puis je peux aller les recopier sur le clip d'à côté, et ça va reproduire exactement les mêmes setups, on va dire, sur les segments. Donc ça sont des choses avec lesquelles, enfin, vous connaissez ça très bien dans Final Cut. Mais par ailleurs aussi, je peux faire quelque chose d'autre qui est un peu plus particulier, qui consiste à faire un batch FX. Et qu'est-ce que ça veut dire, batch FX ? Ben, ça veut dire que je sélectionne un segment et je rentre à l'intérieur de ce segment. Et à l'intérieur de ce segment, je me retrouve en fait avec une autre schématique de batch. Donc, en termes anglophones, encore une fois, je suis désolé, on appelle ça souvent du nesting, c'est-à-dire la possibilité de prendre un segment dans une timeline et puis d'aller lui appliquer un traitement à l'intérieur même du segment et le résultat de ce traitement est ensuite renvoyé vers la timeline. Sauf qu'ici, j'ai toute la flexibilité de batch. Donc, je retrouve exactement les mêmes capacités que je pouvais avoir à l'intérieur de batch. J'ai donc batch à l'intérieur de la timeline et la timeline à l'intérieur de batch. Donc, c'est très puissant. Mais c'est parfois assez complexe en fait, à gérer si on n'a pas la tête bien sur les épaules. Donc ici, par exemple, je vais vous faire un truc tout bête. Là, j'ai rajouté un color warper, qui est donc un outil d'étalonnage. Et puis, je peux aller travailler sur mes midtones, faire une petite teinte magenta ici. Voilà, c'est très beau. Quand je fais Exit BFX, je suis revenu au niveau de ma timeline principale. Et là, mon effet en fait, a été directement mis au niveau de mon segment. Et vous voyez en fait que maintenant ici j'ai cette petite icône qui s'appelle BFX qui me signifie qu'à l'intérieur de ce segment j'ai un autre setup de batch en fait. Et ce système de cascade en fait n'a pas de limite. C'est-à-dire que n'importe quel clip étant une timeline, toute timeline peut avoir des BFX à l'intérieur et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça peut être très très compliqué.
Et après, bon, c'est à vos risques et périls de vouloir aller très, très en profondeur parce que ça peut devenir très, très vite complexe. De la même façon, les BFX sont des choses qui peuvent se recopier en fait, d'un segment à l'autre. Donc là, j'ai recopié ma correction colorimétrique du color warper, comme tantôt, sur l'élément à côté. Okay, donc la même teinte fadasse très moche que j'ai faite tantôt est venue se superposer en fait, au soft FX de Resize que j'avais fait directement à même la timeline. Donc je peux comme ça combiner les choses, ce qui ouvre évidemment des variétés de workflow très grandes. Et ça, c'est sans doute une des grandes difficultés, on va dire, pour les opérateurs débutants, c'est que très souvent, il n'y a pas une seule façon de régler un problème à l'intérieur du Flame. En fait, en général, il y en a plein. Comment voulez-vous travailler de façon itérative, à l'intérieur de batch, en amenant votre timeline déjà conformée dans batch et ensuite en travaillant à même les segments. Enfin, il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent se présenter et donc une panoplie parfois assez impressionnante, on va dire, de possibilités. Parlons un petit peu plus des outils créatifs. Donc, je vous parlais tantôt en fait de Action. Et donc historiquement Action, qui je le rappelle donc est un environnement de compositing, historiquement c'est vraiment le premier environnement de compositing 3D qu'il y a eu sur le marché. C'est-à-dire un environnement de compositing dans lequel les surfaces, au lieu d'être des plans à plat, on va dire, sont en fait des polygones qui existent dans un espace 3D filmé par une caméra. Et donc, quand je veux travailler dans Action, là, je vais aller chercher quelques petits éléments. On va prendre ça, puis on va prendre monsieur. OK. Quand je veux travailler dans Action, bon, ben, je peux d'abord commencer juste par lui rajouter un background. Et puis là, je vais juste le remettre. Ça, c'est du 720p, donc hop, voilà. Et quand je veux commencer à travailler dans Action, ce que je vais faire... Et là, encore une fois, c'est très emprunté à la 3D. Je vais construire une scène, d'accord ? Une scène qui est fabriquée d'objets. Et un objet, qu'est-ce que c'est ? Ben, ça peut être une surface qui est une image, d'accord ? Mais qui va vraiment exister en 3D. Et pour vous le montrer, donc, là, je vais juste rajouter donc, une source supplémentaire. Vous voyez, là, en fait, j'ai donc cette image qui est venue se rajouter ici. Et cette image, c'est vraiment comme un panneau sur lequel il y a la texture de l'image qui est plaquée dessus. Ce qui fait que si je viens tourner ma caméra autour, elle existe véritablement en 3D. Le principe donc, du compositing dans Action a été depuis le début, on va dire, d'empiler des couches comme ça. Mais du fait qu'on est dans un environnement 3D, on a aussi un certain nombre de possibilités qui aujourd'hui sont devenues monnaie courante parce que... Elles ont été reprises par beaucoup d'autres logiciels, dont After Effects, par exemple. Mais à l'époque, c'était très, très révolutionnaire de faire ce genre de choses. Et donc, un point qui est un peu particulier, c'est qu'on va retrouver cette notion de schématique ici. Schématique qui va représenter tous les objets que je rajoute à l'intérieur de mon Action. Alors là, actuellement, vous voyez, en fait, j'ai un fond vert. Dans Action, directement, j'ai la possibilité de rentrer dans le keyer. Et dans le keyer, là, ben, je vais pouvoir aller hop, faire un key, donc une extraction de maths. Et là, je suis en train de vous montrer en fait, ce qu'on appelle le master keyer, qui a un côté extrêmement performant, dans la mesure où il va essayer de faire son mieux. Il vous donne tout ce qu'il peut en fait, du premier coup. Quoi. Okay et puis là, ben, c'est pas mal. Ouais, c'est pas pire. Donc on voit en fait que comme c'est des éléments en fait qui sont compressés, j'ai quelques artefacts ici, on va dire. Ce qui est intéressant en fait avec ce master keyer, en fait, c'est que je peux aller directement en baladant mon curseur dans l'image, je peux aller analyser en fait l'image en temps réel. Il va me présenter toute une série de paramètres pour me dire attention là, je détecte des trucs. Et il me présente en fait les paramètres par ordre de pertinence par rapport à quelque chose qu'il pense que je vais faire. Donc, si je regarde, en fait, par exemple, ici, le mat,
le mat, voilà. Je vois que mon mat, en fait, il est loin d'être parfait. Mais le Master Keyer a ceci de particulier qui va automatiquement enlever le spill, c'est-à-dire ces reflets verts qui peuvent être, ou bleus d'ailleurs, peu importe, qui peuvent être induits quand on tourne en fait avec un fond vert ou un fond bleu. Et donc automatiquement, il va faire une balance de l'image de foreground pour qu'elle se mixe correctement avec l'image de fond. Ce qui fait que très vite, le résultat est très beau, même si le mat lui-même n'est pas encore parfait, loin s'en faut. Et donc là, je me balade ici, et puis vous allez voir qu'effectivement, je vais pouvoir aller agir ici sur les paramètres. Hop, là, je vois, il y a ça, je perce un petit peu, OK. Mais là, ici, ces problèmes, j'ai un petit peu de peine, en fait, à m'en sortir avec ça. Donc là, je vais essayer de le virer, OK. À un moment, je n'y arrive plus, donc je peux faire appel ensuite à ce qu'on appelle des « patchs ». Et quand je fais des patchs, ben je vais tracer une zone autour de ce dont je veux me débarrasser, on va dire. Et puis, puis voilà. Alors, ça peut... en fait, le key est quelque chose... si vous êtes monteur, vous n'êtes probablement pas tellement confronté à ça, mais c'est un exercice extrêmement technique. En particulier quand on traite du film, par exemple. Et je veux dire en fait que les techniques de key à l'intérieur du Flame, ce n'est pas ça qui manque. Il doit y avoir en gros, je crois, 8 ou une dizaine pratiquement de keyers, c'est-à-dire de méthodes qui vous permettent d'extraire un key à l'intérieur du Flame. Et donc quand il y en a une qui ne marche pas, ben, vous en essayez une autre, d'accord ? Donc, et puis bon, bah, quand ça se passe pas très bien, et puis que je veux faire un masque pour aller jeter à la poubelle les choses qui me gênent autour, ben, je vais dessiner un masque là, hop, et puis je peux dire, ben là, rends-le-moi noir, et puis je peux, hop, voilà, et puis on va dire que ça va, et ce qui fait que maintenant, bon, ben, j'ai mon composite en fait sur le résultat. Sur le background, qui, elle, est une image, en fait, invariante pour l'instant. Donc, cette schématique, elle est assez particulière. Donc, comme je vous disais, ici, je gère des objets à l'intérieur du Flame. Et ces objets, par défaut, ils sont plats, mais si je veux, en fait, je peux les rendre moins plats. Donc, ici, par exemple, je peux aller saisir une vertice et hop, je peux le déformer, en fait, dans les trois dimensions. Je peux continuer à subdiviser. Je peux vraiment faire du morph, ici. Donc là, évidemment, je suis plus tout à fait dans... Enfin, je fais des choses un peu bizarres, que je ne sais pas nécessairement ça que je voudrais faire sur un vrai truc. Et puis si je veux même, je peux aller prendre cette image et je dis maintenant, ben, j'aimerais bien déplacer en fait, la texture de ce bonhomme en fait, à l'intérieur de cette surface qui est déformée. Ben, je peux aller rajouter en fait, une texture ici. Et cette texture, si je la mets en mode... wrap, ok. Eh bien, elle a un axe et je vais pouvoir faire glisser en fait la texture à l'intérieur de la déformation, par exemple. Et voyez en fait que tout ça reste quand même très interactif, quand même. Donc, je me suis aperçu souvent en fait en discutant en particulier avec des gens qui manipulent le After Effects et qui ont des fonctions créatives qui sont parfois même plus uniques à After Effects, on va dire, qui comprennent pas en fait pourquoi. Ben moi, je peux faire ça aussi avec After Effects. Ils ne comprennent pas en fait, pourquoi l'accès n'est pas mis sur le temps réel. L'idée en fait, du Flame est principalement de vous offrir un environnement de création artistique qui est le plus interactif possible, mais pour faire des choses très compliquées. Et, donc, et quand on fait des choses très compliquées, on n'est pas du tout dans la même optique, on va dire, que Motion, où je vais faire du drag and drop, et puis je vais faire défiler les choses, et je construis les choses un peu à la volée, mais je ne vais jamais aller très très loin dans l'empilage de couches. Dans le Flame, on va parfois gérer des problèmes extrêmement compliqués, avec du track de caméra, avec du track de layer, avec du blending, des couches qui ont des techniques de key qui s'empilent les unes sur les autres, des lumières, des choses comme ça. Et ça, c'est un truc, de toute façon, on ne le gère pas en temps réel dans la tête déjà. Donc ce qui fait que la priorité est avant tout mise sur l'interaction qu'on a dans le processus créatif, pas dans le fait de pouvoir faire play, et puis ça fait tout en temps réel. Donc parfois il y a une attente, on va dire, qui peut être déçue, des gens qui se disent « Ah mais moi je pensais que je pouvais faire ça, que je pouvais empiler 100 couches, je fais play, et puis ça fait play. » Non. Le point, c'est je peux empiler 100 couches et je peux quand même encore bouger ma caméra, je peux quand même encore bouger mes textures, et ça va tenir la route. Je vais quand même pouvoir faire process, ça va quand même tenir la route, ça ne va pas s'effondrer.
Donc c'est ça un peu la différence qu'il peut y avoir, et c'est souvent un malentendu, on va dire, qui vient avec des gens, surtout de la part de gens qui manipulent des outils très très puissants dans le monde du desktop, et qui ont beaucoup de points communs parfois avec le Flame. Donc je vous parlais de lumière tantôt. Et ben effectivement, je peux rajouter des lumières en fait à l'intérieur de cet environnement de compositing. Et là aussi, ce sont des lumières qui existent dans l'espace tridimensionnel. Je peux les déplacer. Je peux aussi demander à ce qu'elles puissent créer des valeurs qui sont extrêmement intenses, donc pour cramer mon image, par exemple. Je peux évidemment leur donner des couleurs, je peux en restreindre aussi, je peux créer des effets de spot, on va dire, sur les images. Je peux plus ou moins lisser, on va dire, le bord du spot. Toutes sortes de choses comme ça. Et encore une fois, je garde une certaine interactivité pendant ma session, on va dire, de création. Alors, cette schématique que je vous ai montrée, elle a des propriétés qui sont parfois très particulières, comme la possibilité, par exemple, d'aller rajouter plusieurs axes. Et ça, c'est un truc très bizarre, en fait. Mais je peux aller parenter plusieurs axes au même objet. Et là, il va se passer un truc très étrange. C'est qu'en fait, en faisant ça, je crée plusieurs copies du même objet. Et là aussi, ces objets existent dans la 3D. Ce qui fait qu'on a, on peut avoir une façon, on va dire, de très rapidement aussi cloner, on va dire, différents objets sans nécessairement avoir un très très gros impact en termes de performance sur le système, parce qu'en fait, c'est juste un clone du même objet. Le Flame, dans cet environnement, propose toutes sortes de choses, comme par exemple aussi un système de particules qui est à même cet environnement 3D. Donc je peux aller rajouter une autre lumière ici, et puis je peux demander à cette lumière de générer des particules. Alors là, hop, je double-clique là-dessus, et puis quand je fais ça, hop, je vois ici que j'ai une lumière qui est en train de me générer des particules. Alors, c'est bizarre, là, ça, c'est pas très intéressant, puisqu'il est en train juste de générer, en fait, des carrés, on va dire. Mais je peux aller texturer ces carrés, par exemple, avec ce que je veux. Je peux aussi décider de générer des sphères, si je voulais. Par exemple, là, maintenant, je suis en train de générer des sphères. Ce sont des sphères aussi que je peux... Donc, ce sont des sphères aussi que je peux texturer parce que ce sont des véritables objets 3D, et tous les objets en fait à l'intérieur, tous les objets dans Flame peuvent porter une texture, que ce soit des objets 3D ou des objets 2D qui existent dans la 3D. Alors, juste pour vous montrer un petit truc, là, j'ai préparé tantôt juste un petit setup de fumée. Donc, vous voyez, je suis allé faire une petite texture dans Paint tantôt, et puis j'ai amené ça dans Action, et là en fait vous voyez j'ai cette schématique où vous voyez j'ai encore mon truc que je vous montrais tantôt avec deux axes qui sont parentés à la même lumière, ce qui crée un clone, on va dire, de la lumière, c'est-à-dire que tout se passe comme si j'avais deux lumières, d'accord, et à ces lumières je demande à mes lumières de générer des particules, ok, et ces particules ce sont des carrés, ok, des carrés qui portent cette texture qui est donc la texture de fumée que j'ai fait dans le Paint. Vous allez voir en fait que très vite on arrive quand même à des résultats qui sont rigolos, enfin très vite, après c'est relatif, mais bon, là je suis juste en train d'agiter mes lumières en fait de haut en bas, elles génèrent des particules et puis elles sont soumises à une gravité qui est ici, là, c'est ce vecteur de gravité que vous voyez là, ok. Ce qui fait que mes particules sont en même temps balayées, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces particules, elles existent encore une fois dans un environnement 3D. C'est-à-dire que c'est pas des particules. Alors ça, en revanche, c'est assez comparable à ce que Motion est capable de faire, puisque récemment, en fait, je crois que c'était la version 2.0 qui introduisait les générateurs 3D.
Mais historiquement, encore une fois, Flame se distinguait, on va dire, des autres solutions de particules dans la mesure où on avait un système de particules qui était totalement intégré à l'environnement de compositing, avec lequel il peut interagir, bien sûr, et avec des particules qui existent dans cet environnement tridimensionnel. Donc quand je tourne ma caméra, en fait, vous voyez en fait ici que j'ai encore quelque chose qui existe dans la 3D. Si je fais play, je continue de voir mes particules qui du coup viennent plus vers la caméra, par exemple. OK ? Cet environnement aussi permet de faire des choses qui sont un petit peu étranges, comme du displacement map. Alors là aussi, le displacement map, c'est quelque chose qui vient complètement de la 3D. Et le Flame a fait beaucoup de choses dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il est allé emprunter des fonctions qui existent depuis très longtemps dans les logiciels 3D, sauf qu'il l'a mis au service de graphistes qui veulent faire de la 2D et pas se rendre la vie compliquée avec, on va dire, la complexité d'un logiciel comme, je sais pas, 3DS Max dédié à la 3D ou Maya, qui sont vraiment très complets. Donc là, j'ai juste un petit exemple de ce que j'ai fait. Donc là, j'ai un batch dans lequel, ici, je suis allé extraire un masque que vous allez voir ici. Okay, donc j'ai extrait juste ce masque. Ensuite, ici, j'ai fait juste un garbage mask autour pour enlever le noir, les machins qui m'embêtaient. Oups, pardon. Ensuite, je suis allé le flouter. Et cette image-là, ensuite, je suis allé juste faire une petite correction colorimétrique dedans. Et puis, j'amène ça à l'intérieur d'Action. Et là, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est que mon image qui est ici, je suis allé dire, prends-moi cette source-là et interprète les niveaux de gris comme une map d'élévation. Et donc là où c'est blanc, déforme-moi en fait l'image, change-moi la structure polygonale de mon image pour la déformer en Z ou dans la direction que je veux d'ailleurs. Okay ? Et donc là, j'ai juste pris le masque, je l'ai flouté en quelque sorte, puis j'ai fait une petite correction colorimétrique pour aller avoir des noirs un petit peu plus noirs. Et là, ce qui est rigolo, en fait, c'est que maintenant, avec ça, je peux créer en fait une fausse 3D autour de mon personnage qui commence à avoir de l'épaisseur, en fait. Donc, vous voyez, en fait, là, si vous voyez la forme de la géométrie qui est en dessous, en fait, elle a été ce qu'on appelle displacée. C'est-à-dire que vraiment la structure polygonale a été extrudée, ce qui fait que là, ça peut permettre, on va dire, de tricher. Et en l'occurrence, vous voyez, en fait, ici, j'ai rajouté des lumières pour aller m'amuser et faire des effets d'ombrage. Et en fait, comme j'ai extrudé en fait le personnage dans la 3D, je peux créer des phénomènes de fausses ombres, de contre-jour, que je peux plus ou moins gérer. Donc là, je regarde en fait avec l'autre lumière qui éclaire le décor. Je peux aller jouer en fait ici sur l'éclairage du décor et puis m'amuser ensuite avec la lumière qui éclaire mon personnage pour créer des effets soit de contre-jour, okay, d'éclairer plus ou moins mon personnage et profiter du fait que le polygone, l'image en fait, a vraiment été extrudée en 3D pour créer en fait ces fausses ombres directement. À l'intérieur de cet environnement de compositing aussi, on a la possibilité, par exemple, je peux vous montrer ça. Alors, il paraît qu'il y a des gens qui trouvent ça très cheesy, mais bon, moi, je trouve ça extrêmement pratique d'avoir du texte 3D. C'est-à-dire que ici, à l'intérieur du Flame, le texte que j'ai ici, et je vais venir mettre mon texte en Z devant. Okay. Donc, ce texte que j'ai ici, comme le reste, en fait, il existe évidemment dans les trois dimensions. OK, merci. Et il existe vraiment dans les trois dimensions, dans la mesure où je peux même lui donner en fait une épaisseur. Donc là, maintenant, si je l'éclaire avec une autre lumière, hop, vous voyez en fait qu'il existe vraiment avec une épaisseur, et je peux en fait venir ensuite, customiser mon texte en agissant, on va dire, sur son profil, le chanfrein, si vous voulez, ou le bevel en anglais.
Et je peux de la même façon, encore une fois, venir lui appliquer aussi une texture, si je le souhaite. Alors ça, c'est assez rigolo, parce que je vais pouvoir très vite donner un look. Alors c'est ça que les gens peuvent trouver très cheesy, mais je peux très facilement, on va dire, lui donner un look chrome, dans la mesure là où si je bouge, vous voyez, en fait, il est en, fait, en train de réfléchir la texture que je lui ai, appliquée. Et c'est vraiment un texte qui existe dans les trois dimensions. Alors bien sûr, je ne suis pas obligé de faire du texte 3D, je peux laisser du texte plat, mais c'est encore une fois directement intégré dans l'environnement de compositing. Et un truc qui est assez rigolo aussi, c'est que j'ai la possibilité, tantôt je vous ai montré en fait dans les garbage masks, là quand je décidais une spline, je peux aussi aller importer un garbage mask et puis ce garbage mask, c'est devenu en fait... alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher un peu de trucs là parce que ça devient un peu confus mon affaire. Donc voilà, donc ce garbage mask, qui pourrait être animé d'ailleurs, a été transformé au moment où je l'ai importé dans Action en un polygone. Et donc là, encore une fois, toujours le même principe, il est parfaitement plat. Mais ce qui est rigolo en fait, c'est qu'il a les mêmes propriétés, on va dire, qu'un texte 3D. C'est-à-dire que si je veux, je peux venir l'extruder. Et je peux ensuite le texturer, je peux lui changer aussi son profil. Okay. Et donc là, en fait, je me suis amusé à aller, aller détourer en fait, le profil d'une voiture. Et on va voir à quoi ça peut servir concrètement, ce genre de truc-là, en dehors de faire du graphic design aussi, parce que je peux dessiner n'importe quoi, hein, comme forme vectorielle, et puis venir l'extruder et lui donner un look 3D. Et je voulais vous montrer un truc qui va montrer d'autres possibilités qu'on a dans le Flame. Où est-ce que j'ai mis ? Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? La première chose que j'ai fait, je vais vous remontrer comment ça se passe. Je suis allé juste regarder ma voiture ici, et puis je me suis dit, bon, elle bouge, là. Et ce que je voudrais faire, c'est un effet d'éclairage, mais d'éclairage qui a l'air d'être un éclairage 3D, comme si je pouvais aller éclairer par-dessus le toit de la voiture, par exemple. Seulement, c'est une image qui est plate. Donc, évidemment, normalement, je peux difficilement faire ça. Donc, dans Action, on a la possibilité, en fait, de faire du track caméra. Donc là, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé dessiner un garbage mask autour des zones, on va dire, qui bougent de façon solidaire avec la voiture. Et je suis allé le traquer sur la voiture. Okay ? Et ça, c'est juste pour me créer un masque, pour ensuite dire... au tracker qui, cette fois-ci, va faire quelque chose de très, très différent, analyser la perspective qu'il y a dans l'image et comprendre comment la caméra réelle de cette scène bougeait. D'accord ? Et alors, comment ça se passe ? Bon, ben, je vais le faire devant vous et puis après, vous allez voir, là. NTSC, Apply plus Scale, voilà. Donc, vous voyez ici que j'ai une section qui est pour du 3D track. 3D track par opposition à du 2D track. Ça va, c'est correct là où je... Ok, bon. Je vais être obligé de terminer par ça, parce que j'aurais plein d'autres choses à vous montrer, mais tant pis, ça sera pour une autre fois si ça vous intéresse. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais juste dire bon, ben, d'utiliser bien le mat que j'ai dessiné, on va dire. Et puis là, vous voyez, je suis en mode caméra tracking. Et je vais dire d'aller analyser, on va dire, le mouvement en fait dans les deux sens. Et là, je fais track. Et là, ce qu'il est en train de faire, donc vous voyez le petit pourcentage qui est en train de défiler. Je souligne que ce qu'il est en train de faire là, c'est une opération très très complexe. Il est en train d'analyser les perspectives, les parallaxes, etc. Et il cherche à reconstituer la caméra qui a vraiment servi à filmer. Ce qui fait que là, maintenant, je me retrouve avec un truc assez rigolo. Je vais virer ça. Je me retrouve en fait avec, je vais cacher cette caméra ici, il m'a créé une nouvelle caméra avec toute une série de points qui est ici, vous voyez, et ces points existent vraiment en 3D. Et donc maintenant je peux aller dire, ben, prends-moi ce point-là par exemple, prends-moi ce point-là ici aussi, ce point-là aussi, qui sont donc sur la voiture en 3D, et crée-moi des axes qui existent vraiment dans la 3D cette fois, ok ? À partir du moment où j'ai fait ça, je vais avoir la possibilité d'attacher à ces axes soit des surfaces, soit n'importe quoi. Par exemple, la tranche de la voiture, tantôt que je vous ai montré, que je vais extruder. Okay ?
Donc, c'est précisément ce que j'ai fait dans cet autre setup que j'ai déjà préparé. C'est qu'ici, là, j'ai mon G-masque que j'ai extrudé. Et pour, juste pour vous montrer en fait, qu'il est bien là, okay, voilà mon G-masque que j'ai extrudé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai positionné à la place de la voiture en le parentant à un des axes, ce qui fait que maintenant, mon G-masque, il bouge comme la voiture. Mais il bouge comme la voiture dans la 3D. D'accord ? Et maintenant, j'utilise un objet qui existe dans l'environnement de compositing, qui est un projecteur. Et le projecteur me permet de faire ce qu'on appelle du camera mapping, c'est-à-dire de créer de la fausse perspective là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire de faire de la fausse 3D. Donc, je projette la texture de la voiture sur un objet qui a la forme de la voiture, ce qui me permet de créer une illusion, on va dire, de 3D. Donc là, vous voyez, ici, maintenant, je suis en train de projeter la texture de la voiture sur l'objet. Okay. Et maintenant, si je regarde ici ma lumière, je peux bouger en fait ma lumière et je peux commencer à créer des effets. Je passe sur le pare-brise, je suis en train de faire toutes sortes de choses là, comme si c'était vraiment un objet 3D. Et ça résiste au mouvement, puisque j'ai le mouvement en fait qui est vraiment le mouvement de la caméra d'origine. Donc les deux choses sont collées. Et donc, ça a des applications tout à fait pratiques. C'est-à-dire que ça peut paraître complètement farfelu d'aller faire des extrudes dans tous les sens. Mais en fait, ça vraiment, encore une fois, c'est un arsenal d'outils qui vous permet de faire toutes sortes de choses pour tricher. Et dans Flame, à longueur de journée, ce qu'on fait, c'est tricher. Voilà. Merci.